Hey, aujourd'on se trouve pour une vidéo qui va être une vidéo où je réponds aux questions du test de pureté. Donc voilà, aujourd'hui on va savoir si je suis plutôt un ange ou un démon. Je vais donc répondre dans cette vidéo à des questions qui traversent les sujets du sexe, de la drogue ainsi que de l'alcool. Donc attention, vidéo moins de 18, enfin vraiment des sujets un peu pimentés quoi. Évidemment déconseillés, mais en fait c'est même pas déconseillé, c'est interdit à ma famille. Voilà, donc si vous êtes là, coucou, mais au revoir. Donc aujourd'hui je vais faire le test de pureté Bouddha et pas Grifford, parce que Bouddha il y a plus de questions, donc encore plus de choses à savoir. Avant de commencer la vidéo, je voulais quand même m'excuser pour mon inactivité pendant ces grandes vacances. C'est vrai que je suis pas très fière de moi par rapport au fait que j'ai pas tout le temps sorti des vidéos. Bah il y a au moins 3-4 semaines je dirais où j'ai pas sorti de vidéo. Et vous inquiétez pas, là à partir de la rentrée je serai là à donf. Donc restez connectés, restez en ligne. Venez également me suivre sur mon Instagram juliette.godin affiché à l'écran. C'est une vidéo là où je vais dire que la vérité, évidemment. Je vais certainement pas faire des jokers, parce que moi je trouve ça con les jokers, parce que quand tu l'utilises ça veut dire qu'on sait ta réponse, ça veut dire que c'est oui et tu veux pas le dire. Moi vous savez, je m'en fous de parler de ce genre de sujet, etc. C'est juste une vidéo divertissante, c'est-à-dire que je vais pas vous apprendre des choses. Voilà, vous allez savoir à quel point je suis une dévergondée. Ça c'est faux, c'est pas le cas. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, je sais pas d'avance si je vais en sauter et tout au montage, je vais toutes les faire forcément en vidéo, mais je sais pas si je vais tout vous laisser. Préparez vos popcorns, votre bouteille d'eau, tout ce que vous voulez, parce que là, je vais vous en donner des informations sur ma vie privée. Hein. Première question, avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Oui, la réponse est simple. Je pense que franchement ce serait mentir de dire non, enfin qui que ce soit dise non. Juste les histoires de quelqu'un qui se casse la gueule dans la rue, ça fait rigoler, tu vois, c'est tout. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Aujourd'hui je le fais plus, mais je suis sûre que dans mon âge bête de 6ème, 5ème, etc. J'ai dû forcément rigoler. Soit de personnes que je savais pas spécialement qu'elles étaient handicapées, mais bah du coup je me suis moquée d'elles. Ou enfin voilà, franchement ma réponse c'est oui, parce que je pense que ça m'est déjà arrivé. J'ai pas de souvenir précis, mais je suis sûre et certaine que ça m'est déjà arrivé. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un? Oui. Vous êtes-vous déjà masturbé? Oui. Jusqu'à l'orgasme? Oui. Bah parce que de toute façon je vois pas l'intérêt de se masturber et pas jouir. Enfin genre c'est le but, tu vois, quand tu te masturbes, c'est... Enfin surtout quand tu te masturbes et t'es tout seul, c'est parce que tu veux l'orgasme final quoi. Vous est-il arrivé de ne pas vous laver? 4 jours ou plus? 3 jours? 2 jours? Plus de 24 heures? Je me lave tous les jours. Bah je dirais plus de 24 heures parce que ça m'est déjà arrivé de pas me laver un jour et du coup voilà. Avez-vous déjà bu de l'alcool? Oui. Avez-vous déjà été ivre? Alors ça je vous avais demandé dans mes anciennes vidéos où je vous disais le mot ivre, que je savais pas c'était quoi la définition avec sous et bourré. La plupart du temps vous m'avez répondu que c'était des synonymes, mais que c'était juste pas le même type de langage. Et du coup, bah je considère pas que j'ai déjà été bourrée, tu vois. J'ai toujours su me contrôler, je me suis toujours rappelée de tout, etc. Donc non. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui. D'ailleurs, je trouve ça beaucoup plus amusant. Ah oui. Disclaimer, l'alcool, les drogues, c'est pas bien. Voilà, le truc de consommer avec modération, moi je trouve ça con parce que c'est juste même pas bon pour la santé. Les gens qui disent un verre par semaine ça va, c'est dans tous les cas c'est quelque chose de négatif pour ton corps. Donc moi je vous conseille de jamais consommer ce genre de choses. Si vous le faites, c'est votre vie, ce n'est pas à moi de vous la dicter, mais faites très 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 attention et le mieux c'est de ne rien consommer parce que vous serez en meilleure santé. Et du coup ce que je disais c'est que les jeux à boire c'est... Enfin c'est... la manière la mieux je trouve de boire de l'alcool, parce que enfin boire de l'alcool comme ça je trouve ça un peu triste, alors que les jeux à boire ça amène une certaine dynamique et tout, puis souvent c'est rigolo. Avez-vous déjà vomi à cause de l'alcool? Oui. Moi, vous m'emmenez dans un parc d'attractions, je vomis. Donc comprenez qu'en fait je vomis à tout instant, même dans ma ville, c'est pas la montagne. Vous pouvez me faire un trajet de 5 minutes, je peux avoir envie de vomir. Je vomis facilement, mais bon, j'ai quand même c'est quand même ma réponse est oui. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Je ne crois pas non plus. Enfin non, clairement non. Avez-vous déjà drogué vos parents? Régulièrement, quelquefois? Jamais. Évidemment jamais. Hein. Vous êtes-vous déjà fait sortir d'un bar ou d'une boîte de force? Non, parce que je suis jamais allée dans un bar ou dans une boîte. En moyenne, combien de fois buvez-vous par semaine? Presque tous les jours, 4 fois, 3 fois, 2 fois, une fois ou moins souvent, jamais. Bah du coup je vais répondre jamais parce que sincèrement ça doit m'arriver une fois par an de boire de l'alcool. Donc, jamais. Avez-vous déjà fait un coma éthylique? Non plus. Avez-vous déjà fumé une cigarette? Non. Voilà, donc Juliette a déjà bu de l'alcool mais n'a jamais fumé quoi que ce soit hein, d'ailleurs, hein, que ce soit cigarette ou avez-vous déjà fumé un joint? Non plus. Avez-vous déjà coulé une douille? Alors je vais regarder tout ce que ça veut dire, mais vu que je sais pas ce que ça veut dire, j'imagine que je l'ai pas fait. Ah ok, donc c'est pour fumer du cannabis, donc non. Avez-vous déjà bu dès le matin? Oui. Alors ça je vais vous raconter. Non mais Juliette, avant c'était n'importe quoi. Mais je crois que je vous l'ai déjà raconté. Quand j'étais en 3ème, on a fait un voyage scolaire en Allemagne à Berlin. Et en fait mes cops, mes collègues d'appartement, de famille d'accueil, elles avaient ramené de l'alcool dans des petits gentillons, genre de shampoing et tout. Et du coup le matin, on allait prendre le jus. On prenait les petits mini bouteilles de rhum et tout. On se faisait des petits cocktails avant de partir en excursion dans la ville de Berlin. Enfin bref, c'est
n'importe quoi, c'est juste con. Ça n'a aucun intérêt, enfin je sais pas, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça dans ma vie, mais bon. Quelle a été votre plus longue période bourrée? Bah j'ai jamais été bourrée, donc je ne bois jamais. Possédez-vous une Bible ou autre livre saint, Coran, Torah? Alors, je suis certaine qu'il existe ce genre de livre dans ma maison. Alors, je sais que par exemple mon père, il les a tous. Enfin, tous les livres saints, il les a. Pourtant, on n'est pas croyant dans ma famille. Du coup, je vais dire j'en ai plusieurs. Avez-vous déjà été à l'église volontairement ou dans un autre lieu saint? Quelques fois. Bah déjà, je vais souvent dans les églises, les cathédrales, tout ce genre de trucs. Quand je vais visiter des villes, parce que je trouve que c'est des lieux jolis. Ça m'est déjà arrivé d'aller à Noël à l'église. Je comprends pas pourquoi, hein, mais j'y suis allée. Avez-vous déjà essayé une drogue dure? Non. Avez-vous déjà fait de la prison? Jamais. Avez-vous déjà blessé volontairement quelqu'un? Je sais pas, entre plusieurs fois et oui, parce que je suis sûre que j'ai déjà frappé mon frère très fort parce qu'il m'a saoulé et donc c'était volontaire. Donc je vais répondre juste oui. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Bah, ça a jamais été très officiel, mais j'ai déjà vu des personnes. Bon, je vais dire oui. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Bien sûr. Avez-vous déjà payé pour le sexe? Je ferai jamais ça. Je préfère me masturber, tu vois, genre, enfin, c'est gratuit et ça fait du bien. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Si vous avez déjà fait ça, vous méritez la torture. Voilà, enfin d'après moi, vous ne méritez rien d'autre que ça. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Non. Bah ça s'appelle un viol, hein, au cas où, donc non, j'ai jamais violé qui que ce soit. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus? Bien sûr, jusqu'à l'orgasme, c'est le but, donc oui. Avez-vous déjà fait un 69? Alors, oui. Me permet du coup de faire le sondage. Qui trouve ça bien en fait, enfin c'est nul. Avez-vous déjà eu une MST? Alors je vous explique. L'année dernière d'ailleurs, c'était pendant les grandes vacances de l'année dernière, je suis allée me faire dépister. Donc j'ai fait prise de sang, analyse urinaire et c'est tout, mais j'en ai fait pour plusieurs maladies. Et il s'est avéré que j'étais positive pour une d'entre elles qui était l'herpès. Je pense très sincèrement que je l'ai pas attrapé de manière sexuelle. Alors là je dévoile des dossiers sur ma famille, mais tant pis pour lui. Mon petit frère, mais depuis qu'il est tout petit, hein, il a de l'herpès. Donc vous savez, c'est quand vous faites des plaques, ça ressemble un peu à des boutons mais qui s'infectent. Enfin c'est pas très beau, mais bon c'est une maladie qu'il ne fait pas exprès d'avoir. Je sais que c'est transmissible par genre par exemple la salive et tout. Donc je pense qu'en ayant bu par exemple dans la même bouteille que mon frère ou ce genre de choses, c'est comme ça que j'ai dû l'attraper. Ça se trouve je l'ai attrapé sexuellement, mais étant donné que je savais qu'il y avait déjà un cas, et en plus c'est mon petit frère, ça m'étonne pas du tout, tu vois. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Ce n'est pas bien, mais oui. Il faut se protéger les enfants, sinon bah vous allez tomber enceinte et vous allez avoir des maladies. Qui veut ça? Personne, donc protégez-vous. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non, et j'espère que ça sera jamais mon cas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de deux personnes dans la même semaine? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Oui. C'est pas mal, mais faut pas se faire choper, quoi. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Non. À part embrasser une fille. Mais ça, ça ne va pas plus loin. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Non. Franchement, moi, c'est pas du tout un truc qui m'attire. Je sais pas, je sens que je vais... que moi, je veux pas ça, tu vois. Bon, après, si vous le faites, tant mieux pour vous. Hein. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Non. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Jamais. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien de personnes? 3 ou plus, 2, une personne ou non? Je choisis la case 2 personnes. Avez-vous déjà répondu à un appel pendant un acte sexuel? Bien sûr que oui. Qui n'a jamais fait ça? Oui, sincèrement, qui n'a jamais fait ça? Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Oreille, oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Bien sûr que non. Est-ce que la zoophilie, nécrophilie ou pédophilie vous attire ou vous excite? Ça me dégoûte. La réponse est non, hein. J'espère que ça vous paraissait évident. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit, une histoire d'un soir avec relations sexuelles? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre? À ma connaissance, non. Après, on peut toujours découvrir des nouvelles choses. Hein. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ami de votre partenaire officiel? Bah non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était beaucoup plus vieux ou beaucoup plus jeune que vous? Mon premier petit copain, quand j'étais en seconde, il avait 2 ans de plus que moi, donc c'est pas du tout énorme. Avez-vous déjà mangé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Bah non, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Non. Encore une fois, si ça vous excite, ça fait de mal à personne, donc c'est... faites-le, tu vois. Mais je trouve ça un peu sale parce que l'urine, c'est considéré comme sale en fait. T'es pas censé, enfin, c'est des bactéries. Et tout. Combien de fois par semaine regardez-vous des films ou des images pornographiques? Alors moi, ça varie énormément. En gros, genre pendant 2 mois, je ne vais pas me masturber et pendant une semaine, je vais me masturber tous les jours. Du coup, il y a 3 fois ou plus, 2 fois, 1 fois ou moins souvent, jamais. Je vais dire 1 fois ou moins souvent. Avez-vous déjà simulé un orgasme? Jamais. Hein. En fait, je sais même pas comment faire, enfin, c'est cramé si tu fais semblant. Moi, je suis pas assez bonne actrice pour faire ça. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Non. Putain, je suis une mauvaise personne. Avez-vous déjà triché pendant un examen? Un examen, non, parce que examen, c'est des trucs très officiels, genre bac, brevet, etc. Mais pendant des contrôles, oui. Mais je vais mettre non, parce que c'est pas un examen. Avez-vous déjà fait boire votre urine à quelqu'un d'autre? Oui.
Oui, avec du jus de fruits. Ou non? Avez-vous déjà volé une amie? Oui. Quand j'étais petite, j'étais une grosse voleuse et je mentais beaucoup aussi. Mais genre quand j'étais petite en primaire, tu vois, vraiment en primaire, j'ai eu une période où je volais beaucoup. Si vous avez perdu des objets que vous me connaissiez, c'est peut-être moi. Je suis pas allée chez des gens pour voler, mais genre j'étais invitée par exemple à un anniversaire et je prenais un petit truc, tu vois. Avez-vous déjà volé dans un magasin supermarché? Oui, je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois et c'était il y a assez longtemps, bah c'était la même période que je vous ai dit avant. J'étais à Toys R Us, il y avait du masking tape, c'était à un moment où c'était grave à la mode le masking tape et tout. Bah en fait je me suis pas posé la question, je l'ai pris, je savais que, enfin pourtant j'aurais pu demander à mon daron et en plus il aurait dit oui. En fait je l'ai pris, j'ai arraché le code barre ou un truc comme ça, je l'ai mis dans ma poche, je me suis cassée et... Et voilà. Avez-vous déjà été infidèle? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le partenaire d'une de vos amies? Non plus. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Bien sûr que oui. Bah comme je vous ai dit, moi je vomis mais à tout bout de champ. Avez-vous un tatouage? Non, mais franchement j'aimerais beaucoup. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Non, mais il y a des trucs franchement si j'avais pu ne pas les faire, bah ça aurait été peut-être un peu mieux, mais après ça m'a appris des choses dans ma vie, donc écoutez, très bien. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Non. Avez-vous répondu honnêtement aux questions? Oui. Et bah étonnez-vous ou non, avec mes réponses, je suis une personne assez normale. En fait, vous êtes normale, j'ai seulement moins 9,5 points. Peut-être que vous vous attendiez à pire de ma part, ou peut-être que vous vous attendiez à mieux. Mais écoutez, voilà mes vraies réponses, je ne vous ai dit que la vérité comme j'ai dit dans la dernière question. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et diverti. En ce qui concerne ce que je porte, mon petit haut il vient de chez Lupsona, et ensuite mes boucles d'oreilles, les deux viennent de bijouteries que tu peux croiser n'importe où. En fait, c'est pas des grandes marques genre Histoire d'Or et tout. Donc je veux pas vous dire. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!